Bonjour et bienvenue dans Coq en stock, la première et unique émission de Haute-Loire diffusée sur YouTube. Dans ce nouveau numéro, nous vous donnons la possibilité de partager vos passions. Vous avez un talent pour la chanson, vous êtes drôle, vous avez une recette de cuisine à partager, vous êtes collectionneur ou magicien, ou vous souhaitez tout simplement partager une photo insolite ou un paysage de Haute-Loire. Alors n'hésitez pas à vous filmer ou à vous photographier et nous vous diffuserons dans les prochaines émissions. Aujourd'hui, ce sont 4 passionnés que nous allons suivre, Fabrice, Mélissa, Lison et Pauline. Alors ne perdons pas de temps, Coq en stock, spécial, partageons nos passions, c'est maintenant. Eh bien, je vous propose de débuter cette émission avec Mélissa. À 21 ans, Mélissa habite Yssingeaux. Elle se décrit comme une jeune femme sensible et rêveuse. Passionnée par la musique depuis toute petite, Mélissa fait partie de la troupe Art en scène. Elle jouera dans la comédie musicale Émilie Joly à partir du mois de juin. D'ici là, elle compte s'améliorer et gagner en confiance grâce au cours de chant que lui donne son oncle. Mélissa nous propose aujourd'hui une reprise d'Elsa. Voici « T'en vas pas ». Tu m'aimes, t'en vas pas. Papa, si tu l'aimes, dis-lui quelle est la femme de ta vie, vie. Papa, ne t'en vas pas. On veut pas vivre sans toi. T'en vas pas au bout de la nuit. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. On n'ira plus au ciné tous les trois. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. Papa, si tu pensais un peu à moi. Où tu vas quand tu t'en vas d'ici? J'arrive pas à vivre sans toi. Avec la femme de ta vie, vie. Papa, fais pas de conneries. Quand on s'aime, on s'en va pas. On ne part pas en pleine nuit. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. Tu m'emmèneras jamais aux USA. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. Papa, je t'assure, arrête ton cinéma. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. Papa, je t'assure qu'un jour tu reviendras. Papa, je t'assure, arrête ton cinéma. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur,
sans moi. Eh bien, merci Mélissa pour cette très belle reprise d'Elsa. N'hésitez pas à aller découvrir les autres chansons de Mélissa sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez également la contacter sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Eh bien, maintenant, je vous propose de retrouver la Benjamine de l'émission. À 10 ans, Lison est élève à l'école Jean de la Fontaine d'Issingeau. Jeune fille studieuse, Lison aime également rire et faire rire. Sa grande passion, c'est la musique. Au piano et au chant, Lison partage ses talents avec son papa à l'accordéon et son petit frère à la batterie. Elle participe régulièrement à des concours et des galas et elle fait également partie d'une troupe de théâtre. Son objectif, c'est s'amuser et se faire plaisir. Lison nous interprète aujourd'hui une chanson de Vianney. Voici « Moi, aimez-toi » par Lison Royer. Eh bien, merci Lison pour cette très belle reprise. Si vous souhaitez contacter Lison et ses parents, ou si vous souhaitez simplement lui laisser un message, alors n'hésitez pas à nous écrire à Coq en Stock et nous lui transmettrons avec plaisir. Maintenant, parlons un petit peu foot. En Haute-Loire, nous sommes nombreux à supporter l'AS Saint-Étienne. Et ce n'est pas à Geoffroy Guichard que je vais vous emmener, mais pas très loin d'Issingeau. Fabrice est collectionneur et il a décidé de partager avec vous l'une de ses grandes passions.
C'est à 6 km d'Issingeau, à Malataverne, que nous avons retrouvé Fabrice. C'est dans une pièce de son restaurant que ce passionné de foot et surtout de l'ASSE expose sa collection consacrée au mythique vert de Saint-Étienne. Eh bien bonjour, je m'appelle Fabrice et je viens vous présenter un petit peu ma collection un petit peu particulière qui est dédiée uniquement aux objets de l'ASS, donc l'Association Sportive de Saint-Étienne. J'y consacre une pièce entière dans mon commerce et les gens sont plutôt contents de venir pour voir regarder tous ces objets, notamment les maillots. Donc il y en a à peu près une centaine, des maillots un peu plus spécifiques, puisqu'il y a des maillots de Coupe de France, des maillots de Coupe de la Ligue, la Coupe d'Europe. Donc il y a des répliques, il y a des maillots portés par les joueurs que j'ai pu récupérer par divers intermédiaires, soit directement auprès des joueurs, soit par rapport à des ventes sur les sites spécialisés. De 100 maillots, comme celui porté par Michael Pontal lors de la demi-finale de Coupe de la Ligue 2009 contre Sochaux. Celui porté par le numéro 5, Sylvain Kastendutsch, Stéphane Ruffier en Europa League. Celui du capitaine Loïc Perrin lors du match de Coupe de France contre le Red Star en 2015. Et même le maillot porté en 2009 par Jody Viviani, uniquement pour la photo de l'image Panini. Fêter les 1 an de la victoire en Coupe de la Ligue de 2013, l'ASS sortira un maillot exceptionnel où quelques supporters auront le privilège de voir leurs photos apparaître sur le maillot des joueurs. Pour Fabrice, qui avait fait le déplacement au Stade de France en 2013, c'était l'occasion d'ajouter un maillot unique à sa collection et de posséder une photo de famille des plus originales. Donc un petit détail donc pour savoir si un maillot est un original ou pas, et bien tout simplement, si vous retournez le col du maillot, il a une petite étiquette avec une série de numéros. C'est là que le fournisseur, enfin là, en l'occurrence c'est Adidas, ils peuvent identifier le maillot si c'est un officiel ou pas. J'ai aussi une grosse collection d'écharpes, puisque j'ai dépassé les 200 exemplaires d'écharpes différentes, sur toutes consacrées donc à l'ASS. Celle-ci, qui est ma première écharpe que j'ai pu dater, puisqu'elle est de 1972. C'est un représentant qui me l'a offerte il y a 2 ans. C'était son premier match que lui il allait voir à Geoffroy Guichard pour un match des Verts, et il avait acheté cette écharpe à l'époque, donc en 1972. Donc c'est la plus vieille que j'ai pu retracer à ce jour. Des maillots, des écharpes. Mais la collection de Fabrice, c'est également plus de 1000 objets, du plus classique au plus insolite. Ce cadre qui a été exposé de très très nombreuses années dans le bar de l'ASS qu'on appelait le Chaudron Vert à Saint-Étienne, donc qui est à côté du stade Geoffroy Guichard. Et c'est le patron, l'ancien propriétaire des lieux, qui me l'a remis l'année dernière, puisqu'après il l'a vendu, son bar a été racheté par l'ASS. Et donc il a enlevé ses objets. Et donc il y avait cette fameuse écharpe des finalistes de 76. Une gravate tirée de la collection de M. Roger Rocher, donc l'ancien
l'ancien président donc, qui portait cette cravate dans les années 80. Une chose à laquelle je tiens beaucoup aussi, c'est le premier catalogue officiel de la boutique des Verts quand elle a ouvert à Saint-Étienne. C'est le premier catalogue donc, qu'ils ont sorti avec les objets collector, si je puis dire. Et depuis quelques années, j'essaye de refaire d'acheter les objets que j'arrive à retrouver qui apparaissent sur ce catalogue. Voilà, donc notamment, vous voyez, vous avez le cendrier en bronze. Après, voilà, il y a des objets, l'ASS qui est un petit peu un précurseur dans tout ce qui était les objets dérivés. Donc à l'époque, voilà, en 1975, ils avaient sorti ce genre de puzzle. Celui-là est complet, il est dans sa boîte d'origine. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont recherchées par les collectionneurs. Donc voilà, ça c'est un France Football donc de mars 76, quand la SS s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Et donc ce journal a 42 ans cette année. Et donc il est encore plutôt bien conservé, donc avec Oswaldo Piazza. Et donc le titre était en route pour la finale. Fabrice possède également des objets insolites, comme ce sac offert par Radio Monte-Carlo aux supporters stéphanois qui se rendaient en train à Glasgow pour la finale de 76. Ou ce maillot offert par Roger Rocher aux journalistes. Fabrice compte bien continuer à agrandir sa collection et en faire profiter ses clients et les passionnés de la légende stéphanoise. Eh bien, merci Fabrice pour cette très très belle collection. Si vous possédez des objets et que vous êtes intéressé par la passion de Fabrice, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, nous lui transmettrons. Retour à la chanson avec Pauline. À 18 ans, Pauline écrit et interprète des raps et des slams pour faire passer ses messages. Cette étudiante de Saint-Didier-en-Velay souhaite partager ses émotions à travers ses textes. Elle nous interprète « Manque d'ambition ». Voici Pauline Sigaud. Et même si les gens m'ont la champette, je tournerai la page. Tu sais, j'attendrai pas convexe.
maintenant. J'entendrai pas qu'on me vexe. Magic Records. Et même si je sais pas ce qui m'attend, et ni ce qui va venir, tu sais, j'espère un moment entier pour pouvoir changer d'avenir. Ouais, même si je sais pas ce qui m'attend, et ni ce qui va venir, j'espère juste un moment entier pour pouvoir changer d'avenir. Merci Pauline, vous pouvez bien sûr lui écrire sur sa page Facebook et aux différentes adresses qui s'affichent à l'écran. Et puis pour terminer cette émission, je vous propose un petit diaporama de nos beaux paysages de Haute-Loire. Des photos que vous nous avez envoyées, c'était lors du week-end blanc fin janvier. Alors je vous laisse découvrir. Et bien voilà, c'est terminé pour cette première de Coq en Stock spéciale Partageons nos passions. Si vous souhaitez participer à la prochaine émission, n'hésitez pas à nous contacter aux différentes adresses qui s'affichent à l'écran. Coq en Stock, c'est également d'autres projets que vous pourrez découvrir ici dans quelques semaines. Pour terminer cette émission, je voudrais remercier Fabrice, Lison, Mélissa et Pauline pour leur participation et on leur souhaite bien sûr une bonne continuation. Je voudrais faire également un grand merci au journal Le Progrès Haute-Loire et à Karine Viersba pour leur bel article consacré au projet de l'émission. Un grand merci également à la Comer 43 qui nous suit depuis le début il y a un an et demi. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle émission. Ciao !